bien. Salut tout le monde, c'est Chebrod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Thomas, un pote qui roule en 50. Bon, vous l'avez déjà peut-être vu dans des vidéos, dans des délits observations. Qui roule en derby derrière d'extrême. Ouais. Même modèle que moi, hein. Je crois que c'est pas la même année. Enfin celui que j'avais à l'ancienne. Aujourd'hui, le but de la vidéo, on va retirer son kit déco. On va refaire le look de sa moto un peu. Donc voilà, donc je vais vous filmer tout ça en musique. Et logiquement, si on l'enlève, c'est qu'on en remettra un nouveau d'ici une ou deux semaines. Donc on refera une autre vidéo. Allez, on se retrouve à tout de suite pour les clips. Coucou, tu veux voir ma... Bon voilà les gars, on a fini tout le kit déco, adieu. En vrai on aurait pu le garder, hein. Tu le revends. Allez poubelle les gars. Bon voilà les gars, après, vraiment en vrai, même pas 15 minutes de travail, hein. 20-15 minutes les gars. Bon maintenant on enlève la colle, hein, avec des produits parce qu'il y a toujours, comme vous pouvez le voir, des petites traces de colle comme ça, mais ça se voit pas de loin. Donc elle est vraiment, franchement le rendu, t'en penses quoi alors mon gars? Pas mal, pas mal. Right. Non, franchement, elle est belle. Moi, lui, il veut pas, mais moi, j'aurais mis des petits liserés rouges ou blancs. Elle est vraiment lourde. Yeah, yeah. Les gars, on a fini d'enlever le kit déco. On va partir. Je vais vous montrer un peu comment elle est. Regardez, le rendu il est comme ça. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Lui aussi, on n'a pas fini d'enlever la colle les gars. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher ton plus gros like bien sûr. Abonne-toi si c'est pas fait, faut qu'on monte en abonné, ce serait super cool. Bon, c'est pas l'essentiel, mais ça me ferait plaisir, ça me motiverait. Dis à la prochaine, peace! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for